Les femmes que je vais te montrer sortent avec des footballeurs célèbres. Tente de deviner qui c'est. La première, la voici. Elle sort avec un footballeur plutôt connu, même mondialement connu, que tu connais forcément. Tout le monde connaît ce joueur. Ah, si, tu connais. C'est de deviner. Eh ouais, elle sort avec Cristiano Ronaldo et c'est Georgina Rodriguez. T'as réussi à trouver la dernière? Alors voici la suivante. La suivante, elle a un nom qui sonne un peu italien quand même. Et elle sort avec un des joueurs vraiment les plus connus. On n'est pas sur du français, mais tu connais. Elle s'appelle Bruna Biancardi et elle sort avec... Neymar. Eh oui, je t'avais dit que tu connaissais. La photo suivante, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Oui, il n'y en a pas une, mais il y en a deux. Alors oui, il se met bien quelque part, mais non. Il y en a une, c'est l'ex, et l'autre, c'est la femme actuelle. Ah oui, celui-là aussi, tu le connais. De toute façon, on n'a fait que des footballeurs que tu connais. Et c'est Cora Gauthier, qui sort avec Karim Benzema. La suivante, c'est une histoire vraiment à l'eau de rose. On aurait tous aimé vivre ça. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 10 ans, t'imagines? Elle s'appelle Antonella Roccuzzo. Ah, ça te dit un truc? Eh ouais, elle sort avec Lionel Messi. Alors la suivante, c'est une histoire un peu particulière parce qu'elle a été insultée par la femme d'un coéquipier. Des fois, ça arrive qu'entre deux, ça se crêpe un peu le chignon, mais bon. Alors si, cette tête, je suis sûr que tu vas reconnaître quand je vais te dire avec quel joueur elle est. Eh oui, c'est Marine Lloris qui est avec Hugo Lloris, tu l'auras deviné. La suivante, elle a été un peu beaucoup paparazziée cet été, ça a fait beaucoup de bruit aussi. Je pense que même si tu suis pas le foot, tu devrais deviner qui c'est. Ça te dit rien cette tête, vraiment? Si. Eh, c'est Inès Roe. Et Kylian Mbappé, hein. Celle-là, elle est avec un des nouveaux joueurs de l'équipe de France. Alors que peut-être cette information va t'aider justement à deviner qui c'est si tu suis un peu. Il est tout nouveau, il est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est Mae Guendouzi, oui, qui est avec Matteo Guendouzi. Alors celle-là, c'est une anecdote, moi elle m'a fait mourir de rire. Elle a été affichée dans un tweet parce que monsieur avait un peu oublié la Saint-Valentin. Il a fait un screenshot de sa femme, qu'il a intégré dans le tweet, sauf qu'il a oublié de cropper un petit peu l'image. Ouais, oui, il l'a pas rogné comme il fallait. Ça te dit rien? Eh bien elle, c'est Isabelle Matuidi, avec Blaise Matuidi. Celle-là, si tu la trouves pas, on peut rien faire pour toi. Si, je suis sûr que cette tête te dit forcément quelque chose. Allez, même sans anecdote, hein, ça te dit rien? Eh bien c'est Camille Tidga, qui est avec Raphaël Varane. La suivante, c'est une histoire qu'on adore. Oui, elle, ça te dit rien? Pourtant, tu l'as sûrement vue. Son mec? Si, il a même fait une pub pour Eden Shoulders. Ça te dit rien, les pellicules, là? Qui c'est qui est sous la douche? Antoine Griezmann! Enfin... Bon, ok, la suivante, je te l'accorde. On n'est plus trop dans l'actualité parce que c'est un retraité du foot. Donc, il est malheureusement pas dans la Coupe du Monde. Pourtant, on aurait beaucoup aimé, il a beaucoup fait parler de lui. Ça te dit rien, cette tête? Pourtant, tu l'as certainement déjà vue. Eh si, c'est Véronique Zidane. Qui est avec Zinedine Zidane, son fameux coup de boule. Bon allez mon gars, si tu veux d'autres quiz, abonne-toi au MyQuiz. C'est pas très compliqué à retenir, ça va franchement.